Finlande, monte. Voilà. Comme tous les jours, Daniel s'apprête à sortir accompagné de sa chienne Finlande. Cela fait déjà quelques mois que le chien guide est entré dans la vie de cette malvoyante. Et grâce à elle, les promenades et trajets du quotidien ont pris une toute autre allure. Moi, j'adore marcher et j'ai une allure très vive de marche. Maintenant que j'ai mon chien, je peux garder cette allure vive et c'est moins dangereux parce que bon, si vous avez un obstacle devant, le chien va vous contourner cet obstacle-là. Donc vous sentez en sécurité. Finlande a été éduquée à l'école d'Angers. Daniel aussi a dû y faire des stages car recevoir un chien guide n'est pas si facile et il faut impérativement remplir certaines conditions. Il faut absolument savoir se déplacer déjà avec une canne. Si vous ne savez pas vous orienter, vous ne pouvez pas avoir de chien, ce n'est pas possible. Parce que c'est vous qui donnez l'ordre à votre chien de traverser la route, d'aller à la première à droite ou à la première à gauche. Parce que les gens souvent ils croient que c'est le chien qui nous fait traverser. Bon ben là, si c'était le chien qui nous faisait traverser, je crois qu'on serait mort depuis longtemps. Si la complicité entre Daniel et son guide à quatre pattes est si forte, c'est aussi parce que les éducateurs les choisissent en fonction du caractère de la personne et de son mode de vie. Alors aujourd'hui, c'est sûr, ces deux-là sont devenus inséparables. C'est pas un chien, c'est pas... Si, c'est un chien, mais c'est plus qu'un chien. Hop là! Ouais, bien! Comme Daniel, ils sont quatre en Vendée à vivre avec un chien guide. Un chien prêté par l'école et qui lui sera rendu à l'âge de la retraite avant d'être placé en famille d'accueil.